sommes une association qui est composée donc de LICRE, des permanents de LICRE, hein, qui sont des gens qui sont formés et experts du milieu de la création d'entreprise, mais également des partenaires de l'entreprise, à savoir les assureurs, les comptables, les banquiers et une organisation professionnelle qui ont la particularité d'être présents au moment du montage du projet et de l'accompagnement du porteur de projet pour ensuite avoir la possibilité de l'accompagner durant toute sa vie, mais en ayant été là au moment des décisions importantes de la création et de la constitution du projet. Moi déjà, d'une, j'avais envie de travailler pour moi, parce que j'en avais un peu un ras-le-bol de travailler entre parenthèses pour les autres et puis faire trois payes pour la mienne. Et puis il n'y avait rien à la fin du compte, alors bon, je me lance, je me mets à mon compte et au moins je travaillerai pour moi, je serai libre. On était parti sur une entreprise individuelle. Or, au niveau fiscal, ça peut être différent. Donc, on a choisi l'EURL, mais heureusement, on va dire entre guillemets grâce à LICRE, parce qu'on pensait que c'était quelque chose. Ouais, voilà. Ouais. Ils nous ont énormément conseillé et encore aujourd'hui. Donc, voilà, on est allé voir les assureurs. On a été voir un comptable. Ils nous ont aidé à monter notre prévisionnel. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est presque prêt à faire feu. À faire feu. LICRE BTP a été créé en 2005 en Haute-Normandie et devant la réussite du dispositif, nous avons décidé de le décliner en réseau national en 2010. Donc aujourd'hui, nous avons 14 ICRE qui existent sur le territoire. Nous en espérons 40 à la fin de cette année. C'est la seule structure qui présente ce service aujourd'hui sur le territoire national. Alors, mon travail à moi, c'est d'accompagner avec LICRE les futurs créateurs d'entreprises. Vous êtes membre de LICRE également, en qualité d'expert comptable ? Nous sommes membres de LICRE. Fiducial a été membre fondateur de LICRE il y a quelques années. Dans la mesure où c'était un besoin que nous avions ressenti pour les créateurs qui étaient depuis très longtemps perdus dans toutes les démarches qu'ils avaient à faire pour créer leur entreprise. La plus-value, c'est notre connaissance des entreprises du bâtiment en général, notre connaissance. Aujourd'hui, un ouvrier qui démarre pour s'installer à son compte ne sait pas du tout où se renseigner pour créer son entreprise. Nous avons, nous, la chance dans notre société d'avoir beaucoup de connaissances, de fréquenter les artisans du bâtiment déjà, ce qui nous permet de faire profiter à nos clients ou nos futurs clients de toutes nos connaissances et nos savoir-faire par rapport à leur création d'entreprise.